parce que c'est les réseaux sociaux, c'est, ils lisent plus. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'était une catastrophe. Dans mon spectacle, je montre une conversation WhatsApp entre deux jeunes. Que je regardez ça. Salut! Qui c'est? C'est moi? Moi qui? C'est moi, moi? Ah, c'est toi? Tu fais quoi? Rien! Et toi? Eh ben, rien! Je crois que on devait abêter parce qu'on lit pas, mais c'est juste que quand on écrit par exemple un message, c'est juste pour abréger, ouais, pour parler plus vite. Genre le ça va, CV, ou tu fais quoi, TFQ, c'est normal. Pour autant, tu sais les écrire. Ah, ouais, normalement, ouais, bien sûr. Je sais bien que tu fais quoi, c'est avec deux W. Tu trouves que c'était marrant, son truc ou... Non, c'était gênant en fait. Parce qu'ils croient vraiment qu'on est des imbéciles finis. En fait. Et ils s'en servent pour faire rire, ouais, c'est... de votre gueule. Mais il n'y a que lui qui rigole. Le sketch de Danny Boone, là, qui était très réducteur envers nous les jeunes, en disant qu'apparemment on parle avec plein de fautes, on abrège tout ce qu'on dit, on n'écrit même plus des mots en français, même plus des mots entiers, c'est faux. La quasi-totalité des jeunes ne fait pas ça. Et le truc de dire que oui, apparemment on lit plus de livres, donc c'est pour ça qu'on ne sait plus écrire, ça n'a rien à voir. Certes, si on lit des livres, etc., ça améliore notre français, je ne vais pas dire le contraire, c'est ça parce qu'on n'en lit pas, qu'on va se retrouver à écrire comme ça. Je n'irai pas acheter des trucs qui ne m'intéressent pas du tout, juste pour faire plaisir à des vieux. Personne ne va lire leur film pour les vieux. Et je pense que quand on est jeune, y a plus cette ouverture d'esprit, dans le sens où il y a un peu cette insouciance de ne rien connaître. Du coup, c'est plus facile de regarder les animés ou de lire des mangas. Tandis que quand on est déjà adulte, y a déjà un peu son opinion un peu sur tout. Et c'est différent. L'ouverture est un peu différente. Mais il y a des adultes qui sont ouverts d'esprit. Mais je pense que c'est plus compliqué. Dès maintenant, pour tous les plus de 18 ans, les 300 euros seront disponibles partout sur le territoire. Depuis cette annonce d'Emmanuel Macron sur le pass culture étendu à tous les jeunes de 18 ans pour acheter des produits culturels, les libraires ont assisté à un rush de lycéens et d'étudiants, mais qui se sont précipités sur un genre en particulier, le manga. 800 000 pass culture ont ainsi été distribués et 25 à 30% du crédit offert aux jeunes, en principe pour manga. Se cultiver, seraient dépensés en manga. Ce sont les observations des libraires. Des mangas payés par l'argent public. Si on donne 300 euros et qu'ils achètent ça, pourquoi parler alors que les gens ils sont contents? C'est vraiment pour mettre de l'huile sur le feu où il n'y en a pas. Qu'ils achètent des livres, qu'ils aillent au cinéma, qu'ils aillent au musée, qu'ils aillent où ils veulent, tant qu'ils sont contents. Pourquoi on va venir leur casser la tête à dire « Ouais, mais c'est mon argent que vous payez des mangas. » Tu lis des mangas, t'es en France, t'es content, c'est bon. Enfin, il a le sentiment de payer pour que les jeunes lisent des mangas, etc. Sauf qu'ils ne payent pas que pour ça. Tous les impôts qui sont payés au fil des années, ce n'est pas que pour les mangas. Mm-hmm. Ce n'est pas que pour donner 300 euros à des jeunes, etc., etc. Tous les impôts qu'il a payés dans sa vie, ben, c'était aussi pour autre chose, pour construire des infrastructures, etc., etc., pour les retraites. Je trouve qu'il est très raciste. Ben, ça se voit à son visage, de toute façon, qu'il est raciste. Les mangas, c'est bien aussi. Ça fait du bien de s'ouvrir un peu à un autre monde. Et de s'évader un peu. Il veut trop qu'on lise des littératures françaises, ça veut dire qu'on ne peut pas s'ouvrir aux autres cultures, aux autres pays. Il a un esprit très fermé. Il y a des mangas coréens, des mangas chinois, il y a même des thaïlandais. Les mangas, c'est d'origine, on va dire, asiatique, donc ça veut dire qu'à partir du moment où c'est français, belge ou un pays européen, ça devient un dessin animé. Genre, c'est culturel. Vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Et d'une violence, alors là, je parle des mangas. Les mangas, c'est quand même... J'en ai regardé... Vous êtes très coupables, en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes. C'est pas parce que ça coûte pas cher que c'était de la merde. Parce que c'était pas connu que c'était pas cher, mais c'est pas, ça veut pas dire pour autant que c'était nul. TF1 et tout ça, ils ont mis ça quelque chose de moins cher. Ça aurait pu très bien ne pas fonctionner, ils auraient pu prendre des trucs plus chers des États-Unis. Voilà, ils ont pris la décision de prendre un truc moins cher, mais ça aurait pu être très nul. Mm-hmm. Les gens pourraient aussi ne pas apprécier. Dorothée et la production, ils ont misé sur le bon cheval, voilà. Des merdes infâmes, et avec trois mots de vocabulaire. Il est complexé, il dit qu'on est bête. Est-ce qu'il me connaît? Il juste s'en connaître. Oui. Et pour lui, il a raison. Avoir un débat avec lui, ça sert à rien. Parce que c'est vraiment le genre de personne, il impose ce qu'il veut, mais il n'écoute pas les autres. Et ça, c'est pas bien. En tant qu'humain, il a des problèmes sérieux. Je me bats avec mes enfants pour qu'ils n'en lisent pas. Tout ça, c'est à cause de... Eux, ils disent qu'ils lisent, et moi, je leur dis, bah non, il n'y a pas de texte, donc on ne lit pas. Je trouve que c'est stupide aussi d'interdire
de regarder les mangas, il n'y a pas que des pchipchis. Des choses aussi très percutantes et qui nous apprennent des choses sur la vraie vie aussi. Je pense à Naruto parce qu'il parle beaucoup de la persévérance, et la persévérance, c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie. Je trouve que c'est important d'être persévérant dans la vie et d'avoir des objectifs et essayer de les atteindre. Et voilà, dans les mangas, ça reflète parfois cette image et c'est intéressant. En fait, interdire à un enfant un truc, c'est juste l'attirer. Parce qu'au final, moi, je dis... Il les interdit, mais qui dit quand il n'est pas là, bah il ouais, lit ça. Ils vont pas lire. Ça sert à rien. En fait, le problème avec Zemmour, là, lui, il juge sans aller connaître. Puis, il est tellement fermé dans son esprit qu'il essaye de donner ça aussi à ses enfants. Et je suis sûre que plus tard, ils vont faire tout le contraire de ce qu'il les a dit. C'est souvent comme ça, les enfants, quand ils sont interdits de quelque chose, plus tard, ils le font. Et du coup, lui, c'est quoi les réponses qu'il va donner? Parce que c'est moche. Papa, est-ce que t'as déjà regardé? Non, mais du coup, tu juges. Du coup, il va essayer de savoir pourquoi on m'a interdit ça. Bah oui. C'est là où il va aller regarder, il va voir. Imagine maintenant, il aime bien. C'est là où il va se trouver dans la merde.